Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser donc ce joli lapin. C'est bientôt Pâques, donc on s'y met et on réalise ce lapin tout doux. Pour réaliser le lapin, vous allez avoir besoin donc de 4 pelotes de Baby Velly, donc de la couleur principale. Ensuite, j'ai également eu besoin ici, je voulais faire gris, mais j'ai mis top, puisqu'il me restait du top. Mais vous pouvez faire très bien gris ou rose. Vous allez avoir besoin de yeux de sécurité tout noirs, donc si vous voulez le faire noir comme moi, de 20 mm. J'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 4. J'ai également eu besoin d'un marqueur. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de quelques épingles avant de coudre, et d'une aiguille à laine pour cacher vos fils, et puis optionnellement d'un pompon, puisque je lui ai placé un pompon ici au niveau des fesses, tout blanc, qui je trouve lui fait une touche en fait juste magnifique. Voilà, à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Bien sûr, ça c'est optionnel. Donc voilà de quoi on aura besoin pour réaliser ce petit lapinon. Vous allez avoir besoin également, avant que j'oublie, de mousse pour le rembourrer. Donc ça c'est ce qu'on aura besoin pour réaliser ce joli lapin. Avant de commencer à crocheter, on va venir prendre les mesures. Donc du haut de sa tête jusqu'à la base, on est sur 39 cm. Donc voilà les mesures du lapin. Autant vous dire qu'il est vraiment très très grand. C'est pas un tout petit lapin là, c'est vraiment un grand. Je sais que vous aviez envie d'un lapin et puis c'est bientôt Pâques, donc ça tombe à pic. Donc voilà, c'est lui qu'on va apprendre à réaliser maintenant. On va commencer en faisant ici, avec le crochet numéro 4, on va venir faire une, deux mailles en l'air. Et on va commencer à travailler dans la deuxième de ces deux. On ne peut pas faire de nœud coulant avec du velours, comme je vous avais déjà expliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux mailles en l'air et on travaille dans la deuxième, donc dans la première des deux, on va dire. Donc on compte depuis le crochet, une, deux. Ici, vous piquez dans la première des mailles et vous allez venir faire 6 mailles serrées. La première, vous allez venir prendre un marqueur et vous allez venir la marquer. Donc la première, on vient tout de suite la marquer pour pouvoir la repérer par la suite avec plus de facilité. Maintenant, toujours dans la même maille, on pique et on en fait. Donc, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième maille serrée au même endroit. Maintenant, on va travailler en spirale. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on enlève le marqueur et là où il y avait le marqueur, on commence à travailler. Donc vous piquez ici où vous aviez mis le marqueur. Et ici, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Une, et au même endroit, une deuxième. La première de ces deux, venez la marquer, c'est la première du rang. Dans toutes les mailles qui suivent, on va venir faire vraiment dans toutes les mailles une augmentation. Deux mailles serrées à chaque fois dans chaque maille. Une et deux. Dans la maille suivante, une et deux. De nouveau, une. Et deux. Dans la maille suivante, une. Et deux. Dans la maille suivante, c'est reparti. Une. Et deux. Là, j'ai fini mon tour. Avec au total 12 mailles serrées. On enlève ici le marqueur. On va passer au rang numéro 3, où on va faire une maille serrée individuelle. Là où il y avait le marqueur, vous faites la première. Vous venez la marquer. Et maintenant, on continue. Dans la maille suivante, vous piquez, vous faites une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer tout le rang. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Une et deux mailles serrées. Dans la maille qui suit, une maille serrée et dans la dernière, une augmentation. Donc je suis venue alterner cette séquence tout le long. Maintenant, on retire le marqueur, on passe au rang numéro 4. Donc là où il y avait le marqueur, vous venez piquer et vous faites une maille serrée individuelle que vous venez tout de suite marquer puisque c'est la première du rang. Dans la maille suivante, vous en faites une deuxième individuelle et dans la maille suivante, une augmentation.
une et une deuxième maille serrée dans la même main. C'est reparti pour la répétition de la séquence. Une et deux mailles serrées individuelles. Et dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. On va répéter ça jusqu'à terminer tout le tour. Une, deux, dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. De nouveau, une, deux mailles serrées, dans la maille suivante, une augmentation. Une, deux, dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, dans la maille qui suit, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Comme ceci. Pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Cette couleur est vraiment splendide. Vraiment, vraiment, c'est un lilas tellement joli. On va passer maintenant au rang numéro 5. On enlève le marqueur et puis la séquence qu'il faut répéter, elle est très simple. C'est 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. La première des 3, vous venez la marquer parce que sinon on peut se perdre, on ne sait jamais. Maintenant, on en fait une deuxième individuelle et on en fait une troisième individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une, deux, trois mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Et c'est reparti pour un tour. Une, deux, et trois mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter. 3 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à terminer le rang, vous allez avoir 30 mailles serrées. On continue, donc on passe au rang numéro 6, où on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, donc déjà, la première marquée là, c'est la première du rang. Maintenant, je fais une troisième et une quatrième. Et maintenant, dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. De nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter. 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à avoir les 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et vous allez avoir 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous allez avoir 48 mailles serrées. Et puis là, on se retrouve. J'ai terminé, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez comme un petit bol. Donc ça, c'est le haut de la tête du lapin. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va passer au rang numéro 9. Et vous allez voir que le rang 9, 10, 11, 12 et 13, ça va être les mêmes. Donc on va faire les 48 mailles serrées individuelles. Une. Vous venez déjà marquer la première pour commencer. On fait une deuxième, troisième, quatrième, comme ça jusqu'à avoir les 48. J'ai fini de faire les 48. Maintenant, on enlève le marqueur et on commence le rang 10 de la même manière que le 9e. Donc, une maille serrée individuelle dans toutes les mailles. La première, vous la marquez puisque à chaque fois, la première des rangs se marque. Donc on continue maintenant en faisant des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. Ensuite, comme je vous disais, le rang 11, 12 et 13, vous allez les faire à l'identique. Et on se retrouve. J'ai complètement fini, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 14. Où on va venir faire 7 mailles serrées. Donc vous faites la première là où il y avait le marqueur et vous venez la marquer. Maintenant, on fait la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Et là, on fait une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et de nouveau dans la maille qui suit, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter
jusqu'à terminer le rang. 7 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout. Et vous allez avoir 54 mailles serrées. J'ai terminé, on enlève le marqueur, on va passer au rang numéro 15, où on va venir faire 8 mailles serrées, 1, 2, la première vous la marquez, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Et maintenant on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Et c'est reparti. 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc vous allez venir continuer de cette façon et à la fin du rang, vous allez avoir 60 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 15, on enlève le marqueur. Maintenant le 16, 17, 18, 19, 20 et 21, on va faire les 60 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Donc on commence, là où il y avait le marqueur, je fais ma première des 60 et je viens la marquer. Maintenant on continue à travailler donc en mailles serrées individuelles jusqu'à avoir fini les 60. Et ensuite vous répétez toujours les 60 mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au rang 21 et plus. Et on se retrouve pour le rang numéro 22. J'ai terminé, on va passer au rang numéro 22, donc on enlève ici le marqueur. Et le rang 22, on va répéter ça tout le long. C'est 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et 4. La première des 4, venez la marquer, puisque c'est la première du rang. Maintenant, on fait une diminution. Donc pour faire la diminution, on soulève le bras avant des 2 mailles suivantes. 1. On pivote le crochet, on attrape le brin avant de la deuxième maille, donc la suivante. On ramène notre fil, ici comme ça, à travers ces deux petites boucles. Et puis maintenant, on les termine ensemble. Là, on a fait une diminution. Et on va venir répéter ça tout le long. Donc, une, deux, donc deux, que je la fasse bien, trois et quatre mailles serrées individuelles. Et maintenant, on fait une diminution. On soulève le brin avant des deux mailles suivantes. On ramène le fil et on termine ces deux boucles ensemble. J'ai complètement terminé donc le rang numéro 22. Le rang numéro 23, donc on enlève le marqueur. Et puis la séquence à suivre, c'est trois mailles serrées individuelles. La première, vous venez tout de suite la marquer, c'est la première du rang 23. Vous continuez avec une deuxième, une troisième et maintenant vous faites de nouveau une diminution. Donc vous soulevez le brin avant des deux mailles suivantes, vous passez votre fil et vous terminez ces deux boucles. Et c'est reparti. Une, deux, trois mailles serrées, une diminution. Les deux brins, on passe le fil à travers et on termine ces deux boucles. Une, deux, trois, une diminution. Et on termine les deux boucles. Donc vous allez venir répéter ça et vous allez voir que ça, en fait, ça va commencer à se fermer. Ça, c'est le bas de son visage, donc on va dire le cou. J'ai complètement fini. On passe au rang 24, où on enlève le marqueur. Et la séquence qu'on va venir répéter, c'est 1 et 2. La première de ces deux, vous venez tout de suite la marquer. C'est la première du rang numéro 24. Et maintenant, vous faites de nouveau une diminution. Donc, on attrape le brin avant des deux mailles suivantes. On ramène notre fil et puis on fait la diminution. De nouveau, une, deux, une diminution. Et ça, c'est la séquence qu'on va venir répéter jusqu'à terminer le rang où vous allez avoir au total 30 mailles serrées. J'ai complètement fini le rang. On enlève le marqueur, on va passer au rang numéro 25 où on va faire 3 mailles serrées. Donc une, là où il y avait le marqueur, vous faites votre première et vous venez marquer cette première. Maintenant, vous faites une deuxième individuelle et une troisième individuelle. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, vous soulevez le brin avant des deux mailles suivantes et vous faites votre diminution. Ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter jusqu'à terminer tout le rang. 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, vous allez avoir 24 mailles serrées. Ensuite, le rang 26, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et vous allez avoir 18 mailles serrées. Et puis là, on se retrouve. J'ai complètement fini, donc au total le rang 26. Maintenant, on va venir remplir. Donc, vous laissez la boucle en attente.
ici, vous la laissez en attente. Et puis, on va venir remplir la tête avec notre mousse. Donc là, j'ai acheté un nouveau coussin. Je vous dirai en fait ce que je pense de lui. Il y a comme des petites boulettes dedans. J'ai acheté ça sur Amazon. Et si je vois que ça fait vraiment un beau résultat, je vous le dirai. Donc on va venir commencer. On ouvre ici et puis petit à petit, on va venir remplir sans déformer la tête, très important, sans que les mailles ne se déforment. Il ne faut pas qu'elles s'ouvrent en fait, il ne faut pas voir la mousse. Quand on voit la mousse à travers un amigurumi, c'est qu'il est raté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il vaut mieux prendre 5 minutes de plus et faire les choses tranquillement jusqu'à avoir en fait le résultat parfait que de se précipiter en fait et de tout déformer. Ça serait vraiment très très dommage. Donc on continue petit à petit. C'est rigolo ces petites boules, ça fait une texture spéciale, je ne sais pas comment vous expliquer. Je me languis de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai une autre mousse au cas où, mais je voulais tester celui-là en fait, parce qu'il n'était pas cher du tout. Et puis il y avait vraiment une énorme quantité, donc si vraiment ça marche, ça vaut le coup. J'ai fini de remplir ici la tête, donc vraiment il me manque encore un petit peu, mais avant de fermer, en fait, avant de faire le dernier rang, on viendra remplir, en fait, en faisant le dernier rang, on viendra remplir fur et à mesure ce qui manque. Donc là, je mets vraiment un tout petit peu en plus, parce que je vois que j'ai encore un petit peu de marge, comme ceci. Donc la mousse, elle est au top. Hein. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vraiment, elle est très très de bonne qualité. Elle est rigolote parce que ça fait comme des petites boules très soyeuses et je vois que ça fait très très bien son travail puisque comme c'est plein de petits morceaux, on peut venir les placer où on veut et avoir le résultat, vous voyez, qu'on veut. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez un petit morceau ici plus petit où on va clipser les yeux, ici où on va former donc ensuite le nez et donc voilà la forme de la tête que vous devez donc obtenir pour l'instant. Vous voyez, beaucoup plus grand que mes mains. Donc avec la Baby Belly, ben ça a donné un très grand résultat. Donc on aura un très grand lapin de Pâques. Donc on passe au dernier rang qui est le rang numéro 27. Donc ici on reprend notre boucle, comme ceci. Et puis on passe au rang numéro 27. On enlève le marqueur et c'est simple en fait, le rang 27. On va faire que des diminutions. Donc vous venez commencer, vous prenez le point avant à chaque fois des deux mailles. Vous marquez ici la première diminution, parce que c'est la première du rang numéro 27. Et vous allez faire ça en fait, de 2 en 2, vous allez fermer les 18 mailles que vous avez. Donc au total, à la fin de ce rang, on va avoir 9 mailles serrées. Et on viendra refermer complètement le trou. Donc petit à petit, de 2 en 2, vous refermez tout. Quand vous arrivez ici, à la moitié du rang, donc là c'est très important, on va venir clipser les yeux. Donc là on va pas vider la tête parce que le trou quand même reste vraiment très très grand, on va pouvoir y clipser les yeux. Ce qui est très important, c'est avant de clipser les yeux, on va venir la remplir comme on a fait. Puisque si on remplit pas la tête au préalable, on peut pas savoir où vont aller les yeux, ce qui est tout à fait logique. Quand on veut un résultat vraiment parfait, il faut le faire avant ça. Il faut remplir d'abord et ensuite clipser les yeux. Comme ça, vous savez exactement l'endroit définitif où vont aller les yeux. J'ai placé mes yeux sur le visage du lapin, donc tout simplement regardez. Je ne les ai pas clipsés encore, hein, mais je vais vous compter exactement combien de rangs j'ai laissé, etc. Donc, depuis le départ ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, dans le 13e rang, j'ai piqué entre deux mailles serrées et j'ai placé mon œil. Une fois qu'on le place dessus, entre, vous pouvez, je vais vous compter les traits en fait que vous allez voir. Vous allez voir 4 traits et vous placez l'autre œil. Donc vraiment, si j'écarte comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées ici entre. Mais vu que c'est des grands yeux, ça les cache. Donc maintenant, je prends ici
des fermoirs et je vais venir passer vers l'intérieur. Ici, je me mets la boucle sur le côté. Je place ma main à l'intérieur et je viens clipser. Écoutez. Voilà, ça a fait le bruit, c'est clipsé à fond. Maintenant, je fais la même chose avec le deuxième. Et je pense qu'ici, ce ne sera même pas la peine de faire l'expression, parce que en l'éclipsant, donc ici, j'ai pas entendu le bruit. Voilà. En l'éclipsant, en fait, comme vous pouvez voir, il s'enfonce tout seul, donc parfait. Comme ceci. Là, on a le visage, il est trop mignon, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le voyez bien, attendez. Il est vraiment trop trop chou. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est continuer nos diminutions du dernier rang, donc le 27. Et moi, il m'en restait environ 6 à faire. Je fais toutes mes diminutions et puis on se retrouve. Avant de continuer, on va venir par le minuscule trou qui vous reste, parce qu'on a 9 mailles serrées quand même. On va venir finir de remplir. Donc, petit à petit, on met la mousse qui manquait. Donc petit à petit, sans se presser. J'ai terminé. Maintenant, à la fin, vous allez venir couper votre fil. Vous prenez donc vos ciseaux. Vous coupez un bon morceau parce qu'on va devoir passer maintenant l'aiguille à laine. Le morceau que vous venez de couper, vous passez vos doigts, vous enlevez le surplus de velours. Là, ça ne bouge plus. Hein. Et puis, vous allez passer ce fil-là dans une aiguille à laine. Et on va venir tout simplement ici, la boucle. Vous passez à travers avec l'aiguille et vous venez tirer comme ceci. Maintenant, vous passez à travers toutes les mailles qui sont ici. Donc, toutes les mailles suivantes. Donc déjà enlever le marqueur, hein. Moi je ne l'ai pas enlevé mais il ne sert plus à rien. Et vous venez tout simplement resserrer votre tronc. Cette partie-là ne va pas se voir. Hein. Donc vraiment, si vous voyez que ça, je sais pas, vous avez fait un faux mouvement ou un point qui n'est pas très joli, aucune importance. Donc petit à petit, on passe à travers toutes nos mailles. Jusqu'à resserrer le trou complètement. Donc, repasser une deuxième fois à travers les mailles. N'hésitez surtout pas à repasser. Et ça resserre encore plus le trou, en fait. Mais surtout, une par une, sans en sauter, ça fera beaucoup plus joli. Le trou a complètement disparu, il y a un minuscule trou, minuscule. Vous allez venir passer maintenant à travers quelques mailles comme ça et tirer. Maintenant vous faites un petit nœud, vous piquez au milieu et vous venez perdre votre fil. Vous tirez un petit peu plus que la normale, très important, et vous venez couper. Comme ceci. Maintenant, avec l'aiguille, on remet la totalité de l'ouvrage en place, ce qu'on a pu déformer en fait. Et vous avez ici la base pour ensuite faire le nez et tout, mais qui est finie. Donc maintenant, on va passer au corps, ensuite les bras, les jambes et les oreilles. Et la queue, bien sûr. On va commencer le corps en faisant, comme pour la tête, deux mailles en l'air. Donc on fait déjà la première et on fait notre deuxième. Maintenant, à l'intérieur, ici, de la première des deux mailles, donc depuis le crochet vous comptez une et deux. Ici, dans la deuxième, qui est la première en fait qu'on avait fait, vous piquez et vous faites ici 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va faire donc toujours au même endroit la huitième. Maintenant on va travailler en spirale, donc munissez-vous tout de suite de votre marqueur et on commence. Donc dans la première des mailles, vous piquez et vous faites une augmentation. Une
et au même endroit toujours, une deuxième maille serrée. La première de ces deux, vous la marquez, c'est la première du rang 2. Dans toutes les mailles, on va faire une augmentation. Une, deux mailles serrées. Une et 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 deux mailles serrées. Une, deux mailles serrées. Une, deux mailles serrées. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. On enlève le marqueur, on va passer au rang numéro 3. Où la séquence qu'il faut faire, c'est une maille serrée individuelle. Venez la marquer puisque c'est la première ici du rang 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti pour un tour. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc, deux mailles serrées dans la même maille. Et vous répétez ça jusqu'à terminer. Une maille serrée, une augmentation. Tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Là, on a terminé le rang numéro 3. On enlève le marqueur, on va passer au rang numéro 4 qui est tout aussi facile. La séquence qu'il faut répéter, c'est deux mailles serrées. Une. La première, vous la marquez, c'est la première du rang numéro 4. Maintenant, dans la maille suivante, une deuxième maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau. Une. Deux. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, vous allez venir répéter cette séquence-là. Deux mailles serrées, une augmentation tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, on va commencer le rang numéro 5 avec trois mailles serrées. Donc, la séquence qu'il faut répéter, c'est ça. C'est trois mailles serrées individuelles. Une, deux et la troisième. La première de ces trois, vous venez tout de suite la marquer, c'est la première du rang. Et dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Une et deux mailles serrées. Et c'est reparti. Une, deux, trois mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le rang. Maintenant, on va passer au rang 6. Donc, on enlève le marqueur et puis le rang 6, toujours pareil, on continue la séquence en fait. Donc, on va faire 4 mailles serrées. On commence avec la première et vous la marquez. Maintenant, on fait la deuxième, la troisième et on fait donc notre quatrième. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une, deux, trois, quatre. Dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées exactement dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence que vous allez suivre. 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et vous allez avoir au total 48 mailles serrées. J'ai terminé complètement le rang. Donc maintenant, on enlève le marqueur et puis on continue avec la séquence 5 mailles serrées. Une. La première, venez la marquer, c'est la première du rang. Maintenant, on fait une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, c'est ici qu'on va venir faire une augmentation. Donc, vous piquez et vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous allez avoir 56 mailles serrées. J'ai terminé ici donc le rang numéro 7. Maintenant, vous allez faire le rang 8, 9, 10 et 11. Tout simplement en respectant les 56 mailles serrées qu'on a obtenues au rang numéro 7. Et puis, on se retrouve pour le rang numéro 12. J'ai terminé le rang numéro 11. Maintenant, le rang numéro 12, on va commencer les diminutions.
Donc, on enlève le marqueur, on commence le rang 12. On fait 5 mailles serrées individuelles, on fait déjà la première et on vient la marquer. Maintenant, on en fait une deuxième individuelle, une troisième, une quatrième et on va faire donc notre cinquième individuelle. Maintenant, ce que vous faites, c'est une diminution. Donc, vous soulevez le brin avant des deux mailles suivantes. 1, on pivote, on attrape le deuxième, on ramène notre fil et on termine. Et vous répétez ça jusqu'à terminer le rang. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Une diminution. Donc, on prend le brin avant des deux mailles suivantes de nouveau, on ramène notre fil et on termine. Donc, vous terminez le rang et à la fin, vous allez avoir 48 mailles serrées. J'ai terminé complètement mon tour, donc le tour numéro 12. Maintenant, le rang 13, 14, 15 et 16, en fait, vous allez faire les 48 mailles serrées qu'on a obtenues, individuelles, et puis on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, on va passer donc, au rang numéro 17, où on va venir donc enlever le marqueur déjà. Et la séquence à répéter, c'est 4 mailles serrées. On commence avec la première que l'on vient marquer. Maintenant, on fait une deuxième, une troisième et une quatrième. Maintenant, vous suivez avec une diminution. Donc, vous soulevez le brin des deux mailles suivantes, vous ramenez votre fil et vous faites votre diminution. Donc, ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter tout le tour. Et à la fin de ce rang, vous allez avoir 40 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 18, 19 et 20, vous allez faire ces 40 mailles serrées individuelles. J'ai terminé, maintenant le rang 21, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous allez avoir 32 mailles serrées. Le rang 22, 23 et 24, vous allez faire les 32 mailles serrées individuelles. Et puis on se retrouve. J'ai complètement fini, donc le rang 25, on va venir faire tout simplement 2 mailles serrées individuelles. Une, la première, vous la marquez. On en fait maintenant une deuxième individuelle. Et là, vous faites une diminution, donc exactement ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, hein, la même diminution. Et de nouveau, vous répétez. Une, deux mailles serrées, une diminution. Ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer tout le tour. Et vous allez avoir au total 24 mailles serrées. Ensuite, le rang 26 et 27, vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles. J'ai terminé, maintenant on coupe le fil, un bon morceau, puisqu'on va ensuite venir coudre cette partie-là au lapin, donc à la tête. On enlève le surplus une fois qu'on coupe le fil à chaque fois. Et puis maintenant, on a juste qu'une chose à faire, c'est venir faire une maille coulée dans la maille suivante, juste vraiment pour égaliser, que ça fasse un peu plus joli. Et puis on tire le fil. Petit à petit, vous le tirez, vous ajustez un petit peu, et c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir le remplir. Donc maintenant, comme je vous disais, vous prenez le corps et vous allez venir le remplir petit à petit. Donc le trou, il est grand, hein, vous avez 24 mailles serrées ici. Donc petit à petit, vous allez venir introduire la mousse à l'intérieur. J'ai terminé de remplir le corps, donc le corps, comme vous pouvez voir, il doit rester bien ferme, puisque c'est un lapin grassouillé. Donc maintenant, on a déjà le corps, on a déjà la tête, maintenant on va passer aux bras. Pour faire les bras, on va commencer en faisant toujours la même chose, deux mailles en l'air au départ. Une et deux. On compte depuis le crochet, une, deux. Dans la deuxième maille depuis le crochet, vous piquez et puis vous faites 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et on va faire donc la 8e. Maintenant qu'on a les 8 mailles serrées ici, toujours dans la même maille, on va venir travailler en spirale. Donc vous vous munissez ici d'un marqueur et puis c'est parti. Donc on va faire 8 augmentations d'affilée. Donc dans la première des 8, vous piquez et vous faites une, et toujours dans la même maille, une deuxième maille serrée. Vous venez tout de suite marquer la première de ces deux puisque c'est la première du rang. Maintenant, dans la maille suivante, vous piquez et de nouveau deux mailles serrées. Une, et toujours dans la même maille, une deuxième. Dans la maille suivante, c'est reparti. Une, et deux mailles serrées dans la même maille. Une, et deux mailles serrées dans la même maille. Et vous faites ça jusqu'à terminer le tour. Les bras sont trop faciles à faire, hein ? Comme ceci. Là, j'ai terminé le rang 2 avec mes 16 mailles serrées. On enlève ici le marqueur et puis on commence le rang numéro 3. La séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle que vous venez marquer de suite. Dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. À la fin de ce rang, vous allez avoir 24 mailles serrées, en répétant toujours la même chose. J'ai terminé en entier le rang 3, on enlève le marqueur et le 4 et le 5, on va faire les 24 mailles serrées individuelles. Donc, vous faites que des mailles serrées et chaque fois, la première de chaque rang, vous venez la marquer, comme ça, vous êtes tranquille. Donc, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et on va faire donc la 24e. Maintenant, on replie bien comme il faut et on attaque donc le rang 5. On enlève le marqueur et puis c'est parti. Dans chaque maille, une maille serrée. Vous marquez bien la première à chaque fois. Et voilà, donc vous continuez et on se retrouve pour le rang numéro 6. Comme ceci. Le rang 6, vous enlevez le marqueur et la séquence qu'il vous faut répéter au total 8 fois, c'est une maille serrée individuelle. Donc vous la marquez déjà. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, on pique et on ramène, on pique et on ramène. Et on termine ensemble. Les diminutions comme ça, là, on ne les voit presque pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire les diminutions que vous voulez. Pour la tête, je les ai fait de la manière traditionnelle. Mais vous pouvez continuer de cette manière-là. Pour le reste de l'amigurumi, il n'y a aucun problème. Donc, on continue. Une maille serrée individuelle, une diminution. On pique, on ramène, on pique, on ramène. Et on termine. Une maille serrée individuelle et dans les deux mailles suivantes, pareil. Je pique et je ramène, je pique et je ramène et je termine. Une maille serrée, je pique et je ramène, je pique et je ramène et je termine. Une maille serrée, je pique et je ramène, je pique et je ramène et je termine. Une maille serrée, je pique et je ramène, je pique et je ramène et je termine. Une maille serrée. Je pique et je ramène, je pique et je ramène, je termine. Une maille serrée, je pique et je ramène, je pique et je ramène et je termine. Et là j'ai fini. Le rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 19 inclus, vous allez faire les 16 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Et puis on se retrouve pour le rang numéro 20. Quand vous êtes en train de faire le bras, faites une pause à un moment donné pour y placer en fait la mousse. Puisque après ça va être vraiment trop haut et puis ça va être vraiment galère de rentrer la mousse. Donc, quand vous n'avez pas fini complètement, quand vous avez envie en fait, hein, vous placez déjà la mousse. Surtout en accentuant la boule, donc la main, du petit lapin. Maintenant que vous avez bien accentué ici la boule, vous voyez ? Et que ici il doit en avoir de moins en moins, on continue de crocheter
nos rangs individuels. J'ai terminé mes 19 rangs et j'ai mis un petit peu de mousse, mais vous voyez presque pas. Si vous remplissez trop les bras, au moment de coudre les bras dans le corps, ça va vous faire un effet bonhomme de neige, vraiment pas joli du tout. Donc ici, à la base des bras, on remplit toujours moins, vous voyez presque pas. Du coup, ça restera plaqué sur le corps. Donc maintenant, le rang numéro 20, c'est très simple, on va faire 8 diminutions. On pique, on pique, on ramène et on termine. Là, on a la première diminution. On pique, on ramène et on termine. Deuxième diminution. On pique, on pique, on ramène. Troisième diminution. On pique, on pique, on ramène. Quatrième diminution. On pique, on pique, on ramène. Cinquième diminution. On pique, on ramène. Sixième diminution. On pique, on pique et on ramène. Septième diminution. Et on fait maintenant la dernière. Donc on pique, on ramène et on termine. Là, on a complètement fini le bras. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous venez couper votre fil. Donc, coupez quand même un bon petit morceau, parce qu'à chaque fois, on doit coudre les parties, donc qu'on ne manque pas de fil, ça serait vraiment dommage. Ce serait chiant, en fait. Hein. Donc, on tire. Comme ceci. Et on vient ajuster un petit peu. On enlève le surplus de Baby Velly et on est prête. Donc vous allez faire un deuxième bras à l'identique et puis on se retrouve. On va commencer les jambes en montant ici avec le crochet numéro 4 toujours. 1, 6 et 7 mailles en l'air. Maintenant on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous venez piquer et vous faites ici 3 mailles serrées. 1, 2 et une troisième toujours dans le même espace. Maintenant, on continue avec 4 mailles serrées individuelles. Donc, on commence, on en fait une. Dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille suivante, une troisième. Dans la maille suivante, une quatrième. Dans la dernière maille qu'il vous reste, vous allez venir faire une augmentation. Les augmentations sur les angles, c'est 3 mailles serrées. Donc, une, toujours dans la même maille, une deuxième maille serrée. Et toujours dans la même maille, une troisième maille serrée. On continue maintenant en travaillant en face des 4 individuels qu'on avait fait. Donc vous venez en face des 4 et vous faites une maille serrée en face de ces 4. Donc 1, 2, 3 et vous allez faire donc une quatrième en face de la quatrième. Là on a fini complètement le rang 1. Donc, vous allez venir vous munir d'un marqueur et on va passer donc au rang numéro 2. Où on va venir faire 3 augmentations d'affilée, mais les augmentations ce coup-ci, c'est 2 mailles serrées dans la maille. Donc, on vient dans la première de ces 3, ici. Et on fait ici 2 mailles serrées dans la même maille. Une, et au même endroit, une deuxième. La première de ces 2, vous venez tout de suite la marquer, c'est la première du rang. Dans la maille suivante, c'est reparti. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une et deux mailles serrées dans la même maille. Maintenant ici, 4 mailles serrées, une fois qu'on a fait les 3 augmentations, on fait 4 mailles serrées individuelles. Donc, sur les 4 qu'il y avait déjà. Une, deux, trois, et la quatrième qui m'a échappé, 4. Maintenant, on repart avec les 3 augmentations dans l'angle. Donc, rappelez-vous, c'est 2 mailles serrées dans chaque maille. 1 et 2 dans la même maille. Dans la maille suivante, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire ça une troisième fois ici, dans la maille qui suit. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. On termine le rang avec 4 mailles serrées individuelles. 1, 2... 3 et 4. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. Vous voyez, c'est très facile. Là, tout de suite, on a 20 mailles serrées. Maintenant, on enlève le marqueur, on passe au rang numéro 3, où on va venir faire 6 augmentations. Donc, 6 augmentations d'affilée. La même chose, les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans chaque maille. On commence avec, dans la première maille qui suit, là où il y avait le marqueur, on fait 2 mailles serrées. La première de ces 2, vous venez tout de suite la marquer.
On a fait la première augmentation. Dans la maille suivante, on en fait une deuxième. Donc, deux mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, une troisième. Une quatrième dans la maille suivante. Une cinquième. Et dans la maille suivante, une sixième. Maintenant, on poursuit avec 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on poursuit avec 4 augmentations d'affilée. Donc, dans les 4 mailles suivantes, une augmentation de 2 mailles serrées à chaque fois dans chaque maille. On a la première, on vient faire la deuxième, on fait une troisième et on fait une quatrième. On termine le rang avec ici 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Le rang numéro 4, on enlève le marqueur et il va y avoir, on va ajouter ici des demi-brides. Donc, on commence en faisant 3 demi-brides individuelles. On commence, une, on vient marquer donc la première. Dans la maille suivante, on en fait une deuxième. Et dans la maille suivante, on en fait une troisième. Maintenant, on va faire 6 augmentations d'affilée de demi-brides. Donc, dans la maille suivante, 2 demi-brides dans la même maille. Une, deux. On a la première augmentation. On fait une deuxième. Une. Et deux demi-brides. On fait une troisième. Une et deux demi-brides. Une et deux demi-brides. Une et deux demi-brides. Là, on va venir compter parce que j'ai arrêté de compter tout à l'heure. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Il me manque la sixième augmentation. Donc, dans la maille qui suit, une et deux demi-brides dans la même maille. On poursuit avec 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. Maintenant, après les 3 demi-brides individuelles, on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ceci. Maintenant, on va faire 4 augmentations, mais de mailles serrées. Donc, dans les 4 mailles suivantes, on fait 2 mailles serrées sur chacune. 1, 2. Dans la maille suivante. 1, 2. Dans la maille suivante. 1, 2. Dans la maille suivante. 1, 2. Donc là, j'ai au total 1, 2, 3, 4 augmentations. Maintenant, donc 4 augmentations de mailles serrées. On termine le rang par 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Là, j'ai complètement fini le rang numéro 4. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. On va faire donc maintenant, ça va être très simple. On va passer maintenant que à des mailles serrées. Donc, on va faire que des mailles serrées individuelles, le rang 5, 6 et 7, tout simplement. Et puis, on se retrouve pour le rang numéro 8. J'ai terminé mon rang numéro 7. Donc, maintenant, on va commencer les rangs de diminution. Donc, le rang numéro 8, on va faire 3 mailles serrées, 1. On vient tout de suite marquer ici la première. Maintenant, on fait une deuxième et on fait une troisième. Maintenant, on fait 6 diminutions. Donc, les diminutions, vous piquez, vous ramenez, vous piquez, vous ramenez. Et on termine les 3 boucles ensemble. Ça fait une. On fait une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Et on en fait donc une sixième. Comme ceci. Après les 6, on fait 25 mailles serrées. Une, 2, 3, on remet tout bien, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et là, j'ai fini le rang numéro 8. Là, tout de suite, on a 34 mailles serrées. On enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 9. Où on va faire ? Ici. 6 fois cette séquence-là. Donc, on commence d'abord en faisant une demi-bride. On vient la marquer. Donc, la séquence, c'est ça. C'est une demi-bride. Et on fait une diminution de demi-bride. Et ça, on va le faire 4 fois. Donc, on pique, on ramène. Là, c'est comme si on allait faire une demi-bride. Mais avant de terminer ça, on pique dans la maille suivante, qui est ici, et on ramène également le fil. Et maintenant, on termine tout en même temps. Donc là, j'ai fait une demi-bride normale, une diminution. On continue. Ici, une demi-bride normale. Ici, on pique, on ramène. On pique dans la maille suivante également et on ramène. Et ces 4 boucles, on les termine ensemble. Là, j'ai refait une diminution. C'est reparti. Une diminution individuelle et une diminution. Donc, une demi-bride individuelle, pardon, et une diminution. Je pique et je ramène et je termine les 4 boucles. Là, on l'a fait 1, 2, 3. On va le faire une quatrième fois. Une demi-bride individuelle, une diminution. Un jeté, on pique, on ramène, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène et on termine ces 4 boucles ensemble. Vous voyez cette séquence-là, je l'ai fait 4 fois au total. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est 22 mailles serrées individuelles jusqu'à terminer. 1, 2, 19, 20 et les deux dernières, 21 et 22 mailles serrées. Là, tout de suite, vous avez obtenu 30 mailles serrées. Le rang numéro 10. Maintenant, dans le rang numéro 10, on va faire 4 diminutions de double bride. Donc, un jeté. On pique, on ramène. On va dans la maille suivante. On pique, on ramène. Et on termine ces 4 boucles ensemble. Là, vous venez tout de suite marquer la diminution, parce que c'est la première du rang numéro 10. On en fait une deuxième. Un jeté. On pique, on ramène. On pique et on ramène. Et on termine les 4 boucles ensemble. C'est reparti. On pique, on ramène. On pique et on ramène. Et on termine les 4 boucles ensemble. On pique et on ramène. On pique et on ramène. Et on termine les 4 boucles ensemble. Donc là, j'ai fait mes 4 diminutions. Maintenant, vous terminez par 22 mailles serrées. De la même manière. 1, 20, 21 et 22 mailles serrées. Là, c'est terminé. Donc ensuite, quand c'est rempli, le pied prend toute une autre forme. Donc maintenant, après ceci, on passe au rang numéro 11. Donc le rang numéro 11, on va faire, on enlève ici le marqueur. On fait une maille serrée individuelle que l'on vient marquer. Maintenant, on fait 3 mailles serrées ensemble. Donc, vous piquez, vous ramenez, vous piquez, vous ramenez et vous piquez, vous ramenez dans les 3 mailles suivantes. Vous voyez, j'ai ramené le fil. Et je termine les 4 boucles ensemble. Maintenant, vous continuez avec 22 mailles serrées. Donc, 1, 2, 20, 21 et la 22e ici, maille serrée. Là, tout de suite, vous avez 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, 13 et 14, vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles. Et puis, on se retrouve. On va passer maintenant au rang numéro 15, où on va faire une maille serrée individuelle. On vient tout de suite la marquer, c'est la première du rang. Maintenant, on fait une diminution. On pique, on ramène, et on pique et on ramène dans les 2 mailles suivantes, vous voyez. Et je termine les 3 boucles. Je répète ça encore une fois. Une maille serrée, une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. Et je termine. Maintenant, je fais 18 mailles serrées avant de terminer. 1, 2 et la 18e. Et là, on a terminé complètement le rang numéro 15. On a 22 mailles serrées. Le rang numéro 16, vous enlevez le marqueur. Et on va venir faire 2 diminutions d'affilée.
Donc, je pique et je ramène. Je pique et je ramène et je termine ensemble. Je viens marquer cette première diminution. Ici, de nouveau, une diminution. Je pique et je ramène, je pique et je ramène et je termine. À partir de là, on continue à travailler en maille serrée. 1, 2, 3, 17 et 18 mailles serrées. Maintenant, on va continuer à travailler tous les rangs individuels jusqu'à arriver aux 24 inclus. Vous faites à chaque fois les 18 mailles serrées individuelles et puis on se retrouve pour le rang numéro 25. Donc, bien entendu, avant de continuer, on va venir remplir le pied puisque après ça va être trop haut et ça va être embêtant. C'est comme pour le bras. Donc, on vient et petit à petit, on va venir remplir le pied. Donc, on accentue beaucoup plus le bas du pied en fait. Hein. Et puis ensuite, de moins en moins, les bras et les jambes. Ça, c'est une astuce valable pour tous les amigurumis parce que si vous les remplissez trop, bien évidemment, il ne peut pas tenir assez. Donc ici, vous allez venir remplir la cheville également. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir continuer de crocheter individuel et de temps en temps, vous mettez un petit peu de mousse. À la fin, rappelez-vous qu'on ne remplit quasiment plus. J'ai complètement fini. Vous voyez, j'ai rempli, mais j'ai rempli presque pas. Pour que, avec son corps, vous voyez, ça reste bien plat. Donc, une fois que vous avez ce résultat-là, on va passer au dernier rang, qui est le rang 25, où on va venir donc répéter tout le long, ici, la même chose. Une maille serrée individuelle, la première marquée là, et maintenant, vous faites une diminution. Donc, vous piquez, vous ramenez, vous piquez, vous ramenez, et on termine les trois boucles ensemble. Une maille serrée individuelle. Une diminution. On pique, on pique, on ramène et on termine. Une maille serrée. On pique, on ramène, on pique et on ramène et on termine. Une maille serrée. On pique et on ramène, on pique et on ramène et on termine. Une maille serrée. On pique et on ramène, on pique et on ramène et on termine. Une maille serrée. On pique et on ramène. Et on pique, et on ramène, et on termine. Là, on a fini. On a 12 mailles serrées. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous venez couper. Et vous allez venir tout simplement faire une maille coulée dans la maille suivante qui est marquée. Ça, c'est pour égaliser le tout. Une maille en l'air et vous tirez. Et là, j'ai fait une faute. Donc, ne faites pas la même faute que moi. Et coupez suffisamment de fil. Puisque là, j'ai coupé trop court. Et pour le coudre, après, ça ne sera pas pratique. Donc voilà, on a terminé. Vous allez faire une deuxième jambe à l'identique et puis on se retrouve. On va commencer en faisant ici une et deux mailles en l'air. Donc là on commence l'oreille. Maintenant à partir du crochet on compte une, deux. Dans la deuxième maille on vient faire six mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, et 6. Maintenant, on va travailler ici en spirale. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous munir de votre marqueur. Maintenant, ici, dans la première des 6 mailles, on pique et on vient faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On vient marquer la première des 2, comme ceci. Et on continue. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, maille serrée, une et une deuxième au même endroit. On en fait une cinquième augmentation et une sixième augmentation. Une et deux. Là, on a 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on enlève le marqueur et puis on va venir faire que des mailles serrées individuelles. Une, la première, vous la marquez, c'est la première du rang numéro 3. Et puis, dans toutes les mailles qui suivent, vous faites une maille serrée individuelle. Et ça va venir, vous allez voir, se faire comme un petit bol. Vous retournez le petit bol, comme ça vous êtes tranquille pour la suite. Comme ceci. Maintenant, on enlève le marqueur et puis on passe au rang numéro 4 où on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. La première des 3, vous la marquez.
Dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence qu'on va venir donc répéter. On va répéter tout le tour. Trois mailles serrées. Une, deux et trois. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Donc, vous répétez ça encore une fois et vous allez avoir 15 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous faites les 15 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 6, on va venir faire, donc j'ai déjà retiré mon marqueur. La séquence à répéter 3 fois, c'est 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, on fait donc une troisième et on fait une quatrième. La première de ces 4, vous venez tout de suite la marquer, c'est la première du rang numéro 6. Et puis dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, c'est embêtant, je n'avais pas assez de fil. Et on le répète donc une troisième fois. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Là, vous avez 18 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir vous dicter les rangs, puisque c'est vraiment toujours la même logique. Donc, quand vous aurez terminé le rang 7 avec les 18 mailles serrées, vous allez faire le rang numéro 8. 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous allez avoir 21 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous allez faire les 21 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 10, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang 11, vous faites les 24 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 12, 7 mailles serrées, une augmentation, vous allez avoir 27 mailles serrées. Le rang 13, vous faites les 27 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 14, vous faites 8 mailles serrées, une augmentation et vous allez avoir 30 mailles serrées. Le rang 15, vous faites les 30 mailles serrées individuelles. Le rang 16, vous faites 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 33 mailles serrées. Le rang 17, vous faites les 33 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 18, vous faites 10 mailles serrées, une augmentation, et vous allez avoir 36 mailles serrées. Le rang 19, vous faites les 36 mailles serrées individuelles. Et puis là, on se retrouve pour le rang numéro 20. J'ai terminé donc tous les rangs. Ici, on va commencer le rang numéro 20 ensemble. Donc, vous allez faire tout simplement 10 mailles serrées, une. La première, marquez-la toujours parce qu'on peut perdre le fil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, pour l'oreille, on va venir faire cette diminution-là. Vous piquez, vous rentrez, vous piquez, vous rentrez dans la maille suivante et on termine tout ensemble. Vous voyez ? Maintenant, 1, de nouveau c'est la même chose, 2, 3, 4 et 10. Une diminution, on pique, on pique, on ramène et on termine ensemble. Et 10 mailles serrées de nouveau, 1 et 10. Et de nouveau, une diminution. Là on a 33 mailles serrées. Le rang 21, vous enlevez le marqueur et puis vous allez faire les 33 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Ici, on marque la première des 3. 31, 32 et la 33e. Vous voyez, là, j'ai terminé complètement le rang 21. Le rang 22, vous allez faire 9 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et vous allez avoir 30 mailles serrées. Le rang 23, vous faites les 30 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 24, vous faites 8 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous allez avoir 27 mailles serrées. Le rang 25, vous allez faire les 27 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 26, 7 mailles serrées, une diminution tout le tour, vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang 27, vous faites les 24 mailles serrées normales. Le rang 28, 6 mailles serrées, une diminution tout le tour, vous allez avoir 21 mailles serrées. Le rang 29, vous faites les 21 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 30, vous faites 5 mailles serrées, une diminution tout le tour, vous allez avoir 18 mailles serrées. Le rang 31, vous faites les 18 mailles serrées individuelles. Le rang 32, vous faites 4 mailles serrées, une diminution tout le long, et vous allez avoir 15 mailles serrées.
Le rang numéro 33, vous faites les 15 mailles serrées individuelles. Le rang 34, vous faites 3 mailles serrées en diminution et vous allez obtenir 12 mailles serrées. Le rang 35, vous faites les 12 mailles serrées individuelles. Et puis là, on se retrouve. J'ai complètement terminé, donc je suis arrivée au rang numéro 35 avec mes 12 mailles serrées individuelles. Et puis maintenant, vous allez venir couper un bon morceau pour pouvoir coudre ensuite l'oreille. Donc vous enlevez toujours le surplus. Et puis vous faites une maille coulée, pourquoi pas, dans la maille suivante. Pour juste égaliser en fait la forme de la fin. Comme on travaille en spirale, il y a un petit décalage. Et là comme ça, il s'annule en fait. Maintenant, on tire, on ajuste un petit peu. Et puis là, vous allez venir en faire une deuxième à l'identique. Donc moi, j'en ai déjà fait une deuxième à l'identique. Donc voilà. Ici, j'ai mes deux oreilles prêtes à être cousues sur le petit lapin. J'ai terminé ici, je vous ai rassemblé toutes les parties pour que vous les voyez bien. Donc j'ai les jambes, le corps, la tête, les oreilles, les deux bras. Et ici, optionnellement, j'ai pris un gros pompon blanc parce que je trouve que ça va lui aller super bien derrière la queue. Mais c'est vraiment ça, c'est optionnel. Vous pouvez faire un pompon avec une autre laine, etc. Moi, je trouve que vraiment, ça lui va très très bien, le pompon en fourrure blanc. Mais après, chacun ses goûts. Donc voilà, on est prête maintenant pour tout assembler. Avant de faire le nez, on va venir donc se positionner les oreilles avec des épingles. Donc moi, les oreilles ici, que je vous compte le nombre de rangs que je suis venue sauter. 1, 2, 3, 4. Entre le 4e et le 5e, c'est là que je vais faire la couture de chaque côté. Donc maintenant, vous prenez ici le petit lapin et vous allez venir piquer. Donc déjà, vous faites un nœud ici avec votre velours. On va lui faire toutes les expressions parce que sans expression, c'est pas joli à l'amigurumi. Puisqu'on dirait qu'il pense à rien, on dirait pas qu'il est vivant. Donc on va venir piquer par en dessous et remonter ici où va aller le nez entre les deux yeux. Donc approximativement, ici, et je viens tirer. Maintenant qu'on a ce résultat-là, on vient piquer à côté. Donc on attrape un tout petit morceau ici entre les deux yeux, et on revient piquer, donc on passe le fil. La mousse, vous l'enlevez, ça ressort un petit peu, il n'y a rien de grave. Et vous revenez piquer au milieu, et vous venez sortir vers le bas. C'est vraiment juste pour que la forme ici de la bouche, là on va ici broder le nez. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un petit trou. On va broder le nez ici, donc tout va aller bien. Donc vous ajustez correctement, comme ça. Et vous allez venir faire un nœud pour maintenir la pression. Parce que si on ne fait pas de nœud, ben, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc vous faites un nœud, vous la maintenez bien la pression en même temps. Et vous faites un nœud. Comme ça, ça ne va plus bouger. Maintenant, on profite avec le même fil, on ressort vers un œil, on va venir lui faire l'expression des yeux. Donc, vous ressortez près d'un œil et vous allez venir tourner autour de l'œil. Ici, normalement, vous arrivez à faire passer le fil, vous voyez, parfaitement sans le casser. Hein. Vous appuyez légèrement et vous voyez comme il s'enfonce tout seul. Maintenant, vous venez piquer et vous ressortez dans le deuxième œil où on va venir faire à l'identique. La mousse, on enlève et on recommence. On tourne autour de l'œil, on fait glisser le fil. Donc ici, vu que le fil s'est cassé, j'ai roulé autour de l'œil. Donc vous, s'il ne se casse pas, normalement, si vous n'êtes pas aussi brusque que moi, il ne va pas se casser, vous allez venir ensuite piquer à travers l'ouvrage et le cacher. Les yeux s'enfoncent tout seuls. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas. Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, on dirait Dumbo là tout de suite, c'est rigolo. Donc ce qu'on va venir faire, c'est lui broder ici le nez au centre de son petit visage. Maintenant on va passer donc au nez. Donc pour cela j'ai choisi de mettre de la Baby Velly un peu marron. Si vous en avez du nounours, ce sera impeccable. Sinon vous pouvez prendre le gris. Moi je trouve que ça va très très bien le gris. Maintenant j'en avais pas sous la main, mais vous pouvez très bien l'utiliser. Donc maintenant on va venir monter à partir du centre en bas et on va venir ressortir là où vous voulez qu'aille le nez du petit lapin et vous allez venir lui faire un petit V, vous savez, donc vous allez un peu vers sur la gauche
un peu plus vers la gauche. Si vous voyez qu'il y a de la mousse qui sort, c'est pas bien grave, hein, vous l'enlevez avec vos doigts. Et puis on va faire comme une sorte de Y. Donc ici, vous venez viser la moitié de son visage, là où vous voulez que finisse le nez, et remonter du côté droit, approximativement au même endroit. Avec beaucoup de patience, comme ça on aura un joli résultat. Vous allez venir croiser. Quand vous avez croisé, vous ressortez, donc ici, vers le bas, là où vous êtes rentré au début. Ça se forme comme un petit V. Maintenant, pour lui donner tout son charme, vous allez venir d'abord faire un petit nœud ici, en bas, pour bloquer cette tension qu'on vient de faire avec le petit V. Comme ça. Maintenant, on repique au même endroit, vers le bas, et vous ressortez vraiment dans la pointe ici, de son nez, et vous allez venir tout simplement vous accrocher au milieu. Comme ça. En maintenant bien le petit V ouvert. Et vous allez venir descendre en visant bien la moitié du visage. Le milieu. Vous rentrez ici en bas. Vous accrochez un petit morceau, vous voyez. Et avant de tirer, de faire quoi que ce soit, vous vous assurez que c'est vraiment le centre de son petit visage. Une fois que c'est bon, vous venez tirer. Et ça va venir ajuster en fait son petit visage. Ici, vous pouvez réajuster les petits brins de laine de son nez. Ne vous inquiétez pas, vous tirez légèrement de chaque côté. Et puis, vous avez son nez qui se reforme sans aucun problème. Donc maintenant, vous pouvez très bien choisir de faire comme une petite truffe. Moi, j'ai voulu lui faire un petit détail. Je trouve ça vraiment très suffisant, mais vraiment, c'est à vous de voir. Si vous l'écartez bien, pour que ça fasse bien mignon. Et puis, vous avez donc, vous voyez les joues en fait qui se sont formées toutes seules. Donc moi, je vais venir repasser une deuxième fois pour accentuer le côté, ici, la couleur en fait. Et ressortir exactement au même endroit en bas. Donc avec douceur, on y va doucement, on ne se presse vraiment pas pour ce genre de manœuvre, puisque c'est ça qui fait toute la différence. Vous faites un nœud en bas, très important, sinon il y a tout qui va se défaire avec le temps, puisque ce qu'on veut c'est garder en fait cette tension pour que les joues soient préservées. Je suis venue finalement revenir avec le... Je suis revenue avec le fil et j'ai rempli le nez. Donc j'ai fait que des allers-retours au milieu. Je le trouvais beaucoup plus mignon comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment que mon choix. Donc maintenant, une fois que vous... Si vous avez fait comme moi, hein, une fois que vous faites que des allers-retours, vous faites un petit nœud ici à la base et vous venez cacher tous vos fils que vous avez pu, ici, quand vous vous êtes accrochés. Vous les cachez tous et puis on se retrouve pour assembler le reste. Donc j'ai terminé de cacher tous les fils. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre donc la tête et on va venir lui coudre en fait les oreilles parce qu'on les avait mis avec des épingles. Ce qu'on va faire, c'est venir coudre petit à petit ses oreilles. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les placer au préalable avec des épingles. Vous savez que moi, pour tous mes amis Gouloumi, je fais toujours la même chose. Je viens placer les oreilles avant et comme ça, je suis tranquille parce que je sais exactement où vont aller mes oreilles. Donc là, pour moi, ça me convient parfaitement. Donc, je vais commencer à les assembler. Donc, petit à petit, vous venez et vous allez venir les coudre. Et vous faites que des allers-retours. Ici, avec la Baby Velly, on voit quasiment pas la couture, donc vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment quelque chose de très discret qu'on va obtenir. J'ai cousu une oreille. Donc maintenant, quand c'est fini, vous allez venir tout simplement faire un petit nœud. Piquer. Ressortir plus loin. Et couper. Vous
Vous allez faire exactement la même chose, mais avec la deuxième oreille. Maintenant, on va prendre le corps, ici. Et on va venir donc passer le fil qu'on avait coupé dans le corps, dans l'aiguille à laine. Maintenant, vous prenez le corps, ici, bien bien rempli, donc ça va être vraiment très très important. Et vous allez venir placer le corps sous la tête. Vous mettez la tête en fait sur le corps devant vous. Et vous allez choisir en fait si elle est inclinée, si elle n'est pas inclinée, enfin voilà. C'est vous qui allez tout faire en fait, c'est à vous de jouer maintenant. Donc vous mettez tout bien. Donc ici je vais mettre la tête un petit peu vers l'avant, moi personnellement. Et je vais commencer à assembler. Donc je prends un morceau de la tête, un morceau du corps. Et je vais faire ça jusqu'à avoir assemblé les deux parties ensemble. Donc là pour vous montrer, sincèrement c'est un peu compliqué. Puisque sinon je ne vais pas bien coudre non plus. Donc c'est vraiment, de toute façon c'est pas sorcier, c'est comme tous les amigurumis que vous avez fait. Une fois que vous avez le bon endroit, vous commencez à assembler. Qu'elle bascule la tête, c'est que vous n'avez pas pris suffisamment large. Donc, c'est-à-dire, je vous explique tout de suite ce que je veux dire par là, c'est que plus on va prendre en largeur, plus ça va être stable. Tout simplement. Donc, faites-le petit à petit pour pas trop abuser non plus. Mais c'est le principe. Vous êtes satisfaite du résultat, vous allez venir fixer avec un nœud, piquer et ressortir plus loin. Tout simplement, vous venez tirer ici plus que la normale et vous venez couper. Vous enlevez donc la mousse si elle est sortie comme dans mon cas. Et puis là, on a déjà ces deux parties-là d'assembler. Donc déjà, vous voyez que quand je le pose, il tient complètement debout. Moi ici, à la fin, je le ferai incliner un peu sur le côté pour qu'il ait l'air encore plus gentil. Donc maintenant, on continue en prenant donc les pieds. J'ai choisi de mettre d'abord les pieds, après les bras. Donc les pieds, c'est très facile. Vous prenez un des deux pieds. Et pareil, je vous conseille de mettre les deux. Donc regardez, vous placez les deux, approximatif, hein, et vous allez venir asseoir votre lapin. Et là, vous allez savoir si c'est à la bonne place. Il faut d'abord mettre les deux, comme ça. Une fois que vous trouvez que le résultat il est parfait, vous allez venir maintenir ces deux pieds, les maintenir à leur place, et avec des épingles, vous pouvez toujours les fixer. Je vais venir fixer ce pied-là. Je mets quelques épingles. Et je vais me rappeler en fait où est-ce que c'était parfait. Voilà, donc celui-là il est fixé. Et avec celui-ci, donc bien sûr je l'ai fait tomber, donc il faut que je recommence à le mettre ici devant moi. Comme ceci. Je le maintiens et je commence à le coudre. Vous prenez un petit morceau de la fesse, un petit morceau de la jambe. À la fin de l'assemblage, vous allez faire un petit nœud. Je vais refaire un petit nœud par-dessus encore. Et je vais venir ensuite tout simplement piquer à travers mon ouvrage et ressortir plus loin.
et vous coupez. Vous allez faire à l'identique avec la deuxième jambe et puis on se retrouve. Maintenant, on va prendre les bras et c'est les bras qui vont faire tenir en fait, surtout, le lapin en équilibre. Puisque ça, ça va aller vers l'avant. Vous voyez ? Donc, vous mettez un bras de chaque côté et vous assemblez. Donc là où ça vous convient le plus. Moi, j'aime bien quand les bras, ils peuvent aller entre les jambes. C'est-à-dire, comme ceci, vous voyez, ils s'appuient sur le genou. Donc, je vais en coudre un ici et puis l'autre, je le coudrai de l'autre côté, de là, au même endroit. J'ai complètement fini de l'assembler. Maintenant, vous le retournez et puis vous avez le choix. Soit vous lui mettez un joli pompon en laine ou par exemple en Dolce Vita. Ou alors, vous utilisez un pompon comme moi. Donc, moi, personnellement, je trouve que ça fait la touche magnifique de lui mettre le pompon. Donc, vous avez un petit élastique au bout. Donc, vous venez d'abord piquer le centre des fesses d'une façon qu'au moment de mettre le pompon, le lapin, en fait, va avoir une sécurité supplémentaire derrière pour tenir debout. Donc, vous venez prendre le petit élastique qui est là. Et vous avez comme un élastique, en fait, ici. Vous le prenez et vous allez venir faire que des allers-retours pour bien bien fixer ce pompon. J'ai terminé de lui coudre ici, comme vous pouvez voir, la petite queue. Donc je vais vous le tourner un petit peu, vous allez bien le voir. Et je trouve vraiment que ça lui fait une touche trop trop belle. Donc voilà, j'ai mis le pompon blanc, vous pouvez choisir la couleur bien sûr que vous souhaitez si vous voulez faire comme moi. Et donc voilà le lapin là, complètement fini. Maintenant il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est le réaliser à votre tour et l'offrir ou le mettre en décoration. Donc voilà.